On a relaté des faits de 2017, des faits qui concernent parfaitement les femmes, les jeunes, les personnes appartenant à une identité ou à une expression sexuelle non normative, tous ces faits qui atteignent toutes ces violations, qui peuvent atteindre des meurtres homophobes, 3 au moins, 70 jugements contre des personnes LGBTQI+ en Tunisie, des personnes qui ont été condamnées sur la base d'une cigarette ou d'un sandwich durant le mois de Ramadan, 4 mois, 6 mois de prison ferme. Nos recommandations, c'est d'appliquer la loi, refonte du code pénal, immédiatement mettre terme au test de la honte et examen de la honte, de demander la mise en place de la Cour constitutionnelle dans les plus brefs délais, de suivre avec énormément de vigilance le rapport qui sera émis par le Comité des libertés individuelles et, bien sûr, de l'égalité.